Bonjour à tous, donc je vous reviens avec une vidéo donc pour un make-up automnal, donc avec la nouvelle palette, la Viz Palette 3, donc, que je vous avais déjà présentée en revue. Donc vous avez la vidéo si ça vous intéresse. Donc moi je vais utiliser le Lucky, le brun là qui se dit Regen, celui-ci un peu, il est bronze comme ça, et je vais utiliser le True, donc c'est un espèce de rosé. Bon bref, en tout cas je vous montrerai au fur et à mesure parce que on va commencer. Donc pour mon teint, j'utilise la Studio Fix de MAC, donc en teinte NW35. Voilà, toujours. Donc avec mon pinceau de la technique, le Buffing Brush. Donc sur mon teint, j'ai appliqué la Herborian, la Pink, pour unifier mon teint. Tout simplement, pas de crème, ils disent que c'est pas nécessaire d'avoir une crème de jour. Je suis trop à côté. Donc je vais utiliser la palette. Donc je prends un pinceau plat de chez ELF, ça à 1€. Donc je vais unifier la paupière avec le Undone. Pas assez poudreux quand même. Toujours avec le même pinceau plat, je vais plutôt avec le Crease. Ça c'est le blending. Le Crease, donc je vais faire la banane avec le Ray. C'est une espèce de brun. Thank you.
des tout ça. Tu vas penser à nouveau. Ensuite, avec toujours un pinceau, je vais prendre le qui. Le défense sur la paupière mobile. C'est super bon. Ensuite, je prends une prise pour illuminer le sourcil. C'est une espèce de rose. Je vais essayer de faire un trait d'eyeliner, donc avec le Dramatic Liner de Sephora. Je vous garantis rien. En fait, j'ai besoin d'un mur là, je vois absolument rien. Franchement, il est super quoi. Il est super super ce crayon. En tout cas, pour celles qui savent faire super bien le trait, il est vraiment il est génial, quoi. Il coûte une dizaine d'euros, je crois. En tout cas, 15 euros, moins 15 euros. Dramatic Liner, liner feutre, donc 24 heures, je vous conseille. Franchement, il est vraiment bien. Franchement, moi, je suis nulle. Vous voyez ? Ça va bien.
C'est un peu loupé ici, pas la virgule, mais en tout cas ici. Il a bien fait. Il me semble loupé. En bas. Je vais chercher le bouchon avant qu'il sèche. Hop. Donc on va mettre aussi du... Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Du bronze. Je vais utiliser encore le bras. Pour un peu estomper. De l'anti-cerne. Donc moi j'utilise le True Match, c'est nouveau, le crayon correcteur à corps parfait en teinte beige 30. Thank you.
À poudrer tout ça avec la Flower Perfection de Bourjois. HD, il est pas très En tout cas, je suis très contente de ce liner, mais là, on ne voit plus. Comme j'ai mis le... Quand j'ai mis la poudre par-dessus, on ne voit plus rien. Il était super intense, puis après j'ai remis de la poudre. Ça n'a rien de sourire les filles, hein, parce qu'après les joues, elles tombent. Mettre un peu de la sling. Donc le blush, j'ai utilisé le modèle Anko que je quitte plus, quoi. Ça va être mon favori du mois d'octobre. Le blush modèle Anko, il ressemble pas mal au orgasme de Nars. Donc je vais utiliser la Sling palette. C'est le face contour en teinte médium. Je vais utiliser l'highlighter avec le pinceau de Sitting Brush.
sais pas, la couleur elle est pas très. La lumière elle est catastrophe. Et comme rouge à lèvres, je vais utiliser le Meet de chez MAC. Qui est assez sec. J'aurais dû prendre un. Donc, je sais pas si je vais rajouter. Je vais rajouter le bondage ou le alchimie. Le alchimie. Désolé pour la lumière, mais c'est pas grave. Je me suis foutu dans le truc. Donc voilà les filles, c'est terminé pour ce make-up. J'ai les yeux qui pleurent. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc ce make-up automnal. Désolée pour la lumière, le rendu n'est pas très. On voit beaucoup d'imperfections. Donc, voilà. Je suis restée loin. J'étais trop proche. Donc voilà pour ce make-up automnal. J'espère que ça vous aura plu. Mon coiffure, j'ai juste ramassé mes cheveux là et puis j'ai mis des pinces en chignon. Voilà. À très bientôt les filles. Donc n'oubliez pas de partager, de liker la vidéo, de vous abonner. À bientôt. Bye bye.